Donc j'ai le droit de mettre les deux drapeaux. Donc vos bêtises là, vos comparaisons Brazza Kinshasa. Genre, tous les gens t'embêtent. Si les gens te font la remarque que tu mélanges les deux drapeaux, où est le problème? Où est le problème? Parce que, excuse-moi, quand tu dis je parle de deux Congo, tu parles de qui? Tu parles de quoi en fait? Les gens ne comprennent pas. Eh bien oui, nous sommes deux pays différents. Nous n'avons pas le même président. Nous n'avons pas la même constitution. Nous n'avons pas le même drapeau. Excuse-moi, et culturellement, nous sommes aussi différents. Eh bien oui, on va te poser la question de qui tu parles et surtout, on va te faire la remarque d'arrêter de mélanger les drapeaux. Ma chérie. Est-ce que toi, quand tu veux parler de la France, tu rajoutes le drapeau de la Belgique ou de la Suisse? Parce que culturellement, ils sont pareils, non? Tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Mais c'est ça avec vous, les Noirs. Quand il s'agit des pays africains, là, il n'y a plus de respect. Hein. Là, on est tous pareils. Hein. Ah ouais, hein. On est tous des Noirs, tous des Africains, parce que les Blancs nous voient tous pareils. Ah, la mentalité occidentale. Aujourd'hui, je me pose la question. C'est qui les Blancs? Ce sont les Noirs? Ou bien les Occidentaux. Parce que eux, les Occidentaux, arrivent à faire la différence entre un Sénégalais, un Malien et les deux Congos. Mais bizarrement, en 2023, les Noirs ne savent plus faire la différence entre les pays. Allez, nous sommes tous Noirs. En plus, pour la Zéroise. En tant que Zéroise, tu es censée savoir que les Brazzavillois ont fait Mbata Makolo en 2013. Ils ont violé, massacré des Zéroas. Maintenant, toi, tu dis j'aime bien les deux pays. J'aime bien les deux pays. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Eh bien, oui, ça nous dérange. Tes sentiments, tu les gardes pour toi. Si toi, tu as des sentiments pour le Congo-Brazzaville, étale-les dans Moyo. Mais ne mélange pas notre pays à tes sentiments. Parce qu'il y a des Congolais de Kinshasa qui n'ont pas oublié Mbata Bakolo. Et quand on est Congolais de Kinshasa, on est soi-disant un minimum patriote, tu devrais le comprendre et tu devrais avoir la décence, mais vraiment la décence, de ne pas mélanger les deux pays. Genre, tous les gens t'embêtent. Mais attends, c'est toi qui es en train d'enfoncer tes compatriotes. C'est toi qui manques de respect à tes compatriotes. T'as des compatriotes qui ont perdu des frères, des sœurs, des maris, des femmes au Congo-Brazzaville. Et toi, tu dis, j'aime bien les deux pays. Et c'est pas vous qui allez me montrer la différence. Mais si, en fait, on va te faire comprendre clairement que ces deux pays sont juste des pays voisins. Clairement. Et c'est loin d'être des pays frères. Et c'est loin d'être des pays jumeaux. Hey.